die hem toch wel heel lange parten hebben gespeeld. Kouame Arnstad, ça joue rapidement. Ça joue vite. Gomez, Gomez à Mouzou, non. Buté, redelijk op zijn gemak. Ja, maar dat is afwezigheid van, aanwezigheid van Kouame. En dan de Soleil in de fout. Zirikzee, Amouzou trappen maar en die gaat erin. En zo die fout van Buté toch afgestraft. Francis Amouzou met 0-1 voor Anderlecht. Deze liet hij niet liggen. Hij scoort niet vaak, maar dit is een belangrijke. Zijn zesde dit seizoen. C'était dans le même coin, mais regardez ici. La boulette de Soleil, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, de Soleil, même si Buté peut dégager, mais quand même. Et là, la talonnade est magnifique. La frappe dans le coin imprenable. C'est bizarre. Ouais, parce qu'il va sur les deux bras à la fois de Cullen et de Soleil. Lardo dit il n'y a rien, il a raison. Et puis là. Imprenable. Non, c'est la talonnade qui fait la différence. C'est pas mal ça. Très très bien. Ouais, tout seul, comme un grand. Dat leek me buitenspel. Ja, dat dacht ik ook. Vaart die terugkwam. Youssouf. Nainggolan, die gaat het proberen, uiteraard. Il n'a pas vu la reprise de Jordi Alba hier. Il avait un petit peu dévissé, mais il a quand même fini au fond. Arnstad. Mais il va frapper. Il est terrible. Il est. Oh, pop-pop, c'était bien joué. Ça me fait penser à Ansu Fati, tiens, pour reparler Jordi Alba. Ja, het gelijk om te trappen daar. Ja, tussen de benen van de verdediger De Laat, denk ik, en Buté, ja, die had het niet zien gebeuren. Net zoals vorige week deze Arnstad vanaf een meter of 16, 17. Là maintenant, il va retrouver quand même l'anversois le plus populaire. Ça sort pas, ça. Bien joué, quoi, mais super bien joué. Il est passé, il n'y a pas de faute. Et la Cirisée pour le deuxième. Oh. Mais alors là, le duel gagné là, de Soleil, décidément, c'est pas son jour, c'est pas son après-midi, parce qu'il est responsable pour l'instant des deux buts. Alors il y a des plaintes de la part des Anversois. Er was daar een reukje aan. Na Kouame heeft de Soleil wel vastgespeeld. Eerste bal. En dan zoekt de Soleil het contact. Nee, hier nog eens de arm, nee, te weinig west. Nee, niks aan de hand. Speelt de eerste bal Kouame. Nou, oké, legt hier wel de hand op de rug, maar daar was het kwaad al geschiet voor de Soleil. Daar voelde hij al van dat hij het duel al het verliezen was. Ja, het is de perfecte bal voor Zirikzee. Attention, là, s'il la touche, parce qu'il vient de son camp. Goed, Armstad. Et chaque touche de balle du petit Norvégien là, est applaudie. Ils sont un peu dépités hein, du côté de l'Antwerp. Là, il court après ce ballon. Amouzou. Voilà, belle séquence là, anderlechtoise. Là, il s'amuse. Ouais. Il s'amuse et quand il s'amuse, ils sont dangereux, les anderlechtois. Mais je crains une réaction peut-être un peu trop intempestive de garçons comme Nainggolan ou Haroun à un moment donné, qui mettront peut-être la semelle. Bien joué, Kana. Est-ce que ça va se terminer 11 contre 11 ce match? Morillo, ça passe. Ça passe encore. Oh, ça bien continue. Joué. Il n'y a pas de hors-jeu avec Kouame pour le 3-0. Amouzou pour son deuxième. Oh. Oui, mais c'est de la démonstration là. L'Antwerp est humilié à domicile. Il faudrait calculer le nombre de passes qu'il y a eu avant le second but d'Amouzou. On ne doit pas être loin de 15. Kijk naar dit. Vines wordt kinderlijk uitgespeeld. Doet niks. Morillo die loopt door. De Soleil die stapt dan uit. Hier gaan we het zien. Die was al uitgestapt. Laat Kouame gewoon lopen. En dan zie je De Laat naar binnen komen. Die moet dan kiezen. Probeert die, die ruimte nog op te vullen. Maar waar was De Soleil en waar was Sik? Maar waar... Waarom waren die zo snel uitgestapt als er geen druk is op de man in balbezit? Mag je dat in principe niet doen? Moet je een fallback doen? Moet je teruglopen? Maar wel zeer rustig afgewerkt van Amouzou onder controle. Wat hij vaak niet doet, doet hij nu wel, Nico. Il doit jouer Sergio Gomez. Il y a la règle d'or. L'arbitre ne siffle pas. Le jeu continue.
De toute façon, il... Oh, le contrôle, comme il a déposé Youssouf, oui, il va chercher maintenant Kouamé. Kouamé tout seul, il a peut-être marre de faire des assises. Oh, là, bien joué. Il frappe ou pas? Non, c'est goal. Oh, mais c'est pas possible. Mais il joue contre des cadets, là, ou quoi? Je regarde la réaction des supporters anversois. J'ose espérer qu'il n'y aura pas d'envahissement de terrain. On sait l'anversois irascible. Mais là, c'est... Honnêtement, c'est une démonstration comme j'ai rarement vu en play-off. On parle en étant Champions Play-off ici. Oui, exactement. Mais voilà, ils ont pris un coup sur la tête. Ils sont mal, ils sont plus structurés du côté de l'Antwerp. Là, Roen là, qui vient parler à sa défense. Kouamé, sterk tussen twee, drie mensen. En dan laten ze hem weer lopen. En dan, ja, toch wel. Ja, zeer zwak verdedigd daar bij Antwerpen. Achterin, dit heeft niks te maken met twee of drie achteraan, Nico. Dit is gewoon de man niet volgen. En Kouamé, zoals hij eigenlijk op zijn best is. Ja, ja. Als een beetje een man die de dieptes induikt, vrije rol. Samatta, met Hoed. Drie mensen van Antwerpen voor doel. En dus kan je die voorzet wel geven. En daar is Haroun voor het eerst eigenlijk in de 16. Op een voorzet. Peut-être pas. Raman pour le cinquième. Raman face à Buté. C'est au fond. Est-ce qu'il était hors jeu ou pas? Oui, oui, oui. Mais le VAR va peut-être checker. Et, oui, il l'est. Oui, oui. Il l'est. C'est le pas en avant de Soleil qui fait la différence. Il l'a bien mis, hein, de nouveau. De la tweede paal, goed teruggebracht en daar is de goal. Nee! Bon, on va sans doute en rester là. Hij lucide ce coup de coin, avec un succès mais qui, au bout du compte, ne suscitera pas beaucoup de controverses. Hein. Non, non, controverses surtout pour l'Antwerp. Hein. Je pense qu'il y aura de la pression dans ce club pour le prochain match.